vous embarque partout avec vous en ce moment, direction le Mont Fuji. J'ai l'impression qu'on est dans un train pour les enfants. Regardez les moquettes, à quoi ça ressemble. Trop beau avec les nuages comme ça. Waouh! On va prendre ça, c'est des pastilles pour la gorge. Avec la clim, on a attrapé la crève. J'ai le nez qui coule, j'arrête pas d'éternuer. Ah, c'est bien, t'as trouvé un banc. T'es trop fort, toi. C'est pique-nique, hein. Ça, ouais. C'est quoi? C'est poulet? Regarde, c'est super chaud. C'est chaud, chaud? Non mais c'est du poulet à l'huile ou de l'huile au poulet là? Maintenant on va monter sur cette colline. C'est la photo super stylée que tout le monde fait. Bah au final ça ressemble à ça de loin. Il n'est pas en face ça. Ouais mais moi je m'attendais à autre chose hein, pour l'instant. Ouais mais ça doit être plus beau en haut, c'est sûr. Ah c'est bon. Calmos. Le mec il veut... T'as failli tomber. Et on va avoir chaud hein. Voilà il fait 28 degrés, je crève de chaud en plus. J'ai les deux pulls. Il pense tout. C'est un dromadaire. J'ai le sac d'écolier du Japon là. Je mourrais écrasé par le nombre de trucs que tu me fais porter. Je suis contente d'avoir mangé mon amour. J'ai toujours peur de mourir de faim. Il y a des distributeurs partout. Oui. Pourtant, j'ai jamais été en manque de nourriture, mais j'ai toujours peur dès que je pars avec Bastien. C'est trop drôle de bouffe. Ou avec mon père aussi, parce qu'il me fait faire des trucs, des randonnées de malades, etc. Je suis à bout d'effort, j'ai l'impression que je dois appeler un hélicoptère pour venir me chercher. Je suis une drama queen. Ah. Ah, trop beau. Tout au long, en fait, il y en a plein. Oh, ça y est, j'ai monté deux escaliers, j'en peux plus. Je peux venir faire une randonnée, moi. La couleur des arbres rouges comme ça. Safo qui avait peur d'avoir faim. Je pense que là, en fait, ça devrait le faire. J'ai l'impression que c'est carrément des murs d'escalier. Il y a tout plein de pain. Heureusement, c'est frais du coup. Ouais, ça fait du bien, punaise. Ouais, je vais avoir un popotin quand je vais revenir en France. T'expliques même pas. Ouais. Au moins, je vais avoir le dos en vrac. Chacun son truc. J'ai même pas l'impression d'aller tous les jours à la salle avec ça. Et heureusement qu'on fume pas. Je suis en phase de digestion. Non, ce n'est pas des coups de soleil que j'ai. Je vais pouvoir remanger direct. J'espère qu'en haut, il y a un truc à manger. Je pense qu'à la bouffe. S'il vous plaît, faites attention aux ours. Sérieux? Non, à mon avis, et il y a des singes aussi. Il faut pas les nourrir et tout. Faut pas les nourrir, mais je vois un ours, mais je me barre direct. Non, mais les singes. Est-ce qu'il va se nourrir de moi sinon? Ah ouais. Putain. Hey, ça me fait un croche-pied l'arbre. Ah. Et tu marquais ne pas entrer là. Viens, on vient pas là. Ah. Regardez-moi ça. Je vais essayer de faire une petite photo du coup. Après en avoir bavé. Bon, par contre, il y a du monde, mais bon. Je m'attendais limite à pire. Ah, ils ont fermé ça. Ça va encore. C'est trop canon. C'est fou, je me dis, il y a de la neige éternelle alors que là, il fait tellement chaud et j'ai l'impression que. Finalement, c'est pas si haut que ça, tu vois, quand tu la regardes. Enfin, je pense que quand tu la montes... Genre, les gens, ils la montent vraiment jusqu'en haut. Voilà. Je crois. C'est... Waouh. C'est plus facile à descendre qu'à monter. Hein. Ça, c'est sûr. Bastien, il s'est allongé au calme. Bien, là. On a eu de la chance, en vrai. Ouais. Ça fait très limité, déjà, ouais. La chaleur, elle m'a tué. On a pris une petite dispute. Ouais, on s'est embrouillé un petit peu en descendant. Ça fait du bien. De toute façon, quand on a faim et quand on est fatigué, on s'embrouille. Voilà, comme ça vous savez tout. On s'embrouille jamais. C'est la première fois depuis le début du voyage. Ouais, mais c'est déjà trop, j'ai pas l'habitude, mon petit cœur il saigne. Non, c'est vrai que c'est l'hypo de tout à Je savais même pas qu'il y avait un lac à côté du Mont Fuji. Du coup, on va aller faire quoi? Du bateau. On a réservé ça. C'est dans 15 minutes. Parce qu'après, il faut courir au spot. Parce qu'on s'est trompé de train. J'espère que ça va être beau et que le soleil va pas partir. On en est heureuse. Si ça c'était pas fait pour moi, s'il vous plaît. Ok, ok. On n'est pas bien là. Bah, si j'avais su qu'on allait faire du bateau ce matin. On a là une petite peluche avec nous. Hop. C'est beau vent. Ça me fait peur ma peur. Je suis tous ces peurs. C'est trop fini. Regarde le bouclier derrière. Regarde mes cheveux, c'est n'importe quoi. La même fois que tu sois.
Bon, honnêtement, c'était super. Je suis toute décoiffée, mais j'ai pris un de ces bols d'air. Ouais, ça fait du bien. Là, il fait chaud. Là. Ouais. On était bien sur le bateau. Et en plus, on a pu voir le mont Fuji parce que sinon, en fait, avec le lac, t'es obligé d'aller faire tout le tour de l'autre côté. Ouais. Et nous, on n'a pas le temps vu qu'on est là que 6 heures. Ouais, on repart déjà dans 3 heures. Surtout. Bon, on devait même pas venir ici en fait. Oh, je suis épuisée comme si j'avais fait un marathon alors que je viens de faire juste du bateau. Bref. Donc là, on va essayer de repartir. De reprendre le même train. pour faire ta photo. Bah, s'il y a bien ce spot. Ah, c'est quoi cette bête? L'Australie, ouais, ça fait deux en fait. Australie? Ouais, j'ai envie d'aller en Australie. Ouais. Vas-y, dégage. Il est trop bizarre ce train, il est carrément en bois. Vous avez déjà vu ça, vous? Bon, on a un petit problème, qui est dégoûté. Il y a un espèce de petit chapeau sur le mont Fuji. Enfin, un nuage, vous voyez. Ça le gâche un peu. Bah, du coup, la photo. Bon, j'ai une photo quand même, mais. Toi, tu voulais la faire là en mode streetwear. Tu vois, ça fait un peu. Stylé sur Insta, en tout cas. En fait, on s'est trompé de train, donc on est arrivé tard, et donc. C'est le trompage de train, quoi. C'est quoi? Je pense que tu peux essayer quand même là. Arrête avec ton barbeur, on part dans une heure, on prend un train, t'es chiant. Il va se couper la barbe alors qu'il est là pour le mont Fuji. C'est trop bizarre ce mec. Coucou. Vas-y, on va attendre leur départ. Ouais. Wow, c'est calme ici. On s'est changé, etc. On s'est lavé, ça y est, j'ai changé de coupe en plus. Sinon, monsieur s'est trouvé cette petite veste, du coup, je lui ai piqué parce que maintenant j'ai froid là. À Uniqlo, ils vendent même des fleurs ici. C'est une dinguerie, non? Est-ce qu'on nous voit là? Mais c'est tout brouillé. Ça marche pas, mais c'est pour ça que tout le monde est en train de se regarder. On doit faire la queue. Le gars est venu nous dire que en fait, le restaurant est fermé, donc on a dû aller ailleurs. Ici, il ferme à 22h. L'autre, il ferme à 21h. Donc normalement, ouais, ça devrait le faire. On est les derniers. Tu regardes quoi sur ton affiche? Mais dans le reste. Ok. Tu donnes un petit sac comme ça. Au moins, tu peux mettre tes sachets, etc. Thank you. Après, t'es installé, ils viennent tout te servir, le petit coca et tout. C'est du wagyu que tu dois faire chauffer ici. Mais du coup, tu dois le refaire chauffer dans la pièce. Ouais, si tu veux, en fonction de. C'est pas une obligation en fait. Ok. Bastien, tiens là-bas. Tu te régales et en plus, c'est jet. Tu vois les cuisines. Bon allez, on rentre à l'hôtel. Je vous fais des bisous. Bye.